Donc, commencé à travailler sur Batman il y a environ 5 ans. C'était mon projet de master à l'école du Louvre. Si j'ai choisi Batman en particulier, c'est qu'à l'origine, en commençant à travailler sur les super-héros, je me suis rendu compte que l'intérêt dans les histoires de super-héros était souvent les histoires d'origine. Donc, comment ils sont devenus ces personnages emblématiques. Et donc, généralement, il y a une histoire traumatique au début. Et je me suis rapidement en fait décidée à écrire sur Batman, parce que Batman est l'un des premiers super-héros qui a été créé. Il a été créé en 1939, donc juste après en fait l'invention de Superman. Et pour répondre en fait à la demande éditoriale de la fin des années 30, après le succès donc des premières aventures de Superman. Et Batman a été créé en contrepoint de Superman, donc c'est un être humain et non pas un extraterrestre, et il n'a aucun super pouvoir, contrairement à Superman qui peut faire tout ce qu'il veut. Batman n'a pour lui que son ingéniosité et sa fortune qui lui a été laissée par ses parents. Donc le projet est devenu rapidement un projet en deux facettes. D'un côté, l'origine socio-historique de Batman, donc quand il a été créé, par qui et dans quelle société, donc les États-Unis de la fin des années 30. Et en deuxième temps, les origines narratives et fictionnelles de Batman. Donc le fait qu'à chaque fois qu'un auteur ou un réalisateur reprenne les origines de Batman, ils se sentent obligés de réutiliser la mort des parents et la création du mythe de la chauve-souris. Donc voilà, un ouvrage en deux volets qui explore d'une manière socio-historique la création et aussi de manière structurelle, anthropologique, ethnologique. Les multiples recréations du personnage. Donc l'intérêt de Batman en particulier et ce qui fait sa grande popularité, c'est donc non seulement le fait qu'il soit humain et qu'il n'ait pas eu de mutation ou d'accident qui lui ait créé de super pouvoirs comme Spider-Man ou d'autres super-héros, et en plus de ça, sa popularité, à mon avis, vient du fait qu'il est extrêmement torturé. Donc tous les fans de Batman ont une histoire à raconter sur le fait que ils peuvent se l'approprier en fait. Batman est quelqu'un de très noir qui a besoin du soutien de sa Bat-Family et qui également a besoin d'un soutien finalement des super-vilains qui sont des jeux de miroir en fait avec sa personnalité, ses traumas, ses névroses. Donc c'est pour ça que, à mon sens, Batman est l'un des super-héros les plus intéressants et qu'il reste un des personnages les plus populaires et les plus aimés du public international.